Et bonjour à tous, Suc64, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre série Zscapist. Donc ce niveau, la dernière fois, on avait passé le deuxième jour sur Skeleton State, qui est la prison, je dirais, principale du jeu, qui est en tout cas ma préférée. Il y a eu un bug en fait qui n'était pas un bug, connerie comme ça, voilà. Donc, je n'avais pas supprimé la vidéo en fait. Donc vous avez eu le premier épisode. Le premier épisode, lol. Bon, donc on est parti pour le troisième épisode. Pour le troisième jour. Je ferai des trucs hors cam parce que. Oh putain. Oh là là, ces murs bleus, qu'est-ce que ça fait plaisir de les revoir. Alors, où on en était? On avait déjà du stuff. On a des youtubeurs. Je crois qu'il fallait qu'on tabasse IP. Non? C'était pas une connerie comme ça. Pinois 16 et officier IPR, ouais, vous savez. Ah, ça fait du bien de les revoir quand même. À Jumpy 30. Dédicace à lui d'ailleurs, parce qu'il a aussi Zscapist, mais malheureusement il est coincé sur Stack Flunch. Je ferai peut-être un let's play dessus pour montrer comment s'évader rapidement. Vas-y yo, et vous allez morfler. Aïe aïe aïe. Chérine et Pollux, ok, une seconde. Pense que. Hop. Déjà, première chose à faire, ça. Je peux pas passer, évidemment. On va le donner à Kitter. Tac. On se prend à bouffer. Oh là là, ça fait. J'ai dit, on se prend à bouffer. Hein, donc, tu prends à bouffer. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas vu cette prison. Vous voyez rien comme d'habitude. Enfin, vous voyez pas les bulles. Vous voyez principalement ce qu'il faut. Je rappelle qu'aux 50 abonnés, je m'achète une cam. Une meilleure cam pour enregistrer l'écran. Et voilà. Donc, go, on a le boulot de. Oh non, 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 non. Pourquoi tu peux pas rentrer? Tu peux pas rentrer? Tu peux pas. J'ai quoi comme boulot? Agent d'entretien, ouais. Oh, nique ta mère. Guillaume, franchement, va faire chier. Je crois que c'est le gars que je vais dégommer pour pas qu'il fasse son quota de travail. Ah, mais c'est ça, c'est râteau. Tac, tac, tac. Au Javel qui, je le rappelle, peut servir. On va mettre le râteau. Putain. Balayons. C'est pas le boulot que je rêve de garder, hein, je vous l'ai dit. Mais bon, vu qu'on a que ça, écoutez. Putain, je me rappelais pas qu'il y avait autant de cellules. OMG, ça va être vraiment la galère de sortir d'ici. Même si je l'ai déjà faite, la prison, et je connais déjà les endroits. Merde, pourquoi je vais dehors? Je vais. Ça va faire. Oh, en raison de ton incompétence. Ta gueule! Je vais finir sans boulot. Savoir que c'est le boulot le plus difficile. Allez, encore une petite taf. Petite taf. Merci. Voilà, quota de travail rempli. Alors, on va ranger la serpillière. Tout à l'heure, je suis avec le Javel, c'est juste la salopette. Oh, toi tu t'es évanoui et on te prend ça. Désolé, hop. Je vous l'ai dit. Attendez, c'est pas Pierrot ça? C'est pas Pierrot? Oh, si, 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 c'est Pierrot. Oh merde, j'ai oublié encore ce truc. Ah, par contre, là, faut qu'on aille à l'appel parce que.
J'ai oublié de refaire ma force. Oui, je sais. C'est un truc que j'oublie. Aklun, c'est pas. À cause de sa queue. Siphanogo. Wow! Oh la baston. Entre Shirin et. Oh non, c'est le gars qui. C'est Shirin qui fait le. Oh go! Ah go, je veux ce boulot. J'ai jamais fait. Je pense qu'on va faire ça. On va tabasser Shirin. Désolée si tu regardes cette vidéo, mais je rappelle, les gens dans cette vidéo ne sont pas. C'est pas parce que je les aime pas ou parce que je veux manger, venger le truc que je vais les tabasser. Ça, c'est Agent GB. Alors nous on va améliorer notre force parce que c'est vraiment pas ça la force. Ah, j'ai la caméra qui tombe là. Alors vous entendez que je bourrine comme un con sur ma manette. Alors pour ceux qui ne savaient pas, en fait, il faut alterner LT et RT comme ça. Et ça fait justement des grosses conneries et ça pète les manettes et ça pète les doigts par la même occasion. Au minimum, la niveau 30 de la vie, ce serait pas mal. Yann. Officier Squeezie. Darius, mais pourquoi il me le met en couleur lui? C'est qui lui? Clemslol. Chess Master. Oh! Gardien, 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 gardien! Il est en train de me taper. What? Ah ça c'est dégueulasse. Ou c'est quoi hein, dodo hein. Ça revient au même. Faut vraiment se faire d'amitié avec Guillaume. Genre une montre ou quelque chose comme ça. Vas-y, t'as quoi sur toi? Oh la merde. Oh, il a un point américain. Attendez, là, il a un point américain, ça se refuse pas. Faut là où tu dois être. Sur mon cul alors. Lol. À cause de lui, j'ai pas fait mes pecs. J'ai jamais à la douche. S'en fout. Je vais faire un jour. Ce sera la reprise. Vous aurez deux épisodes aujourd'hui, de toute façon, je pense. Mais juste pour se remettre dans le bain, là. À quoi que, faudrait déjà que j'aille acheter les premiers pieds de biche. Ouais, pendant les douches, c'est pas vraiment la bonne solution. Oui, alors, qu'est-ce que tu proposes? Ah non, rien d'intéressant. Alors, toi. Batouleur. Ok, on retient le batouleur. Batouleur en propose deux. Putain, là, ça aurait été juste bien. C'est le gars qui est chauve. Il est passé de l'autre côté. Et j'aime pas parce qu'il y a Guillaume qui me suit. Batouleur, ouais, il me suit. Il est en train de me focus. Il me focus! Et il va crever comme ça. Au secours! Garde! Oh non, 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 c'est pas moi, monsieur. Putain, ils sont rapides.
Ah non, 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 non. Ils sont ultra rapides. Faudrait que j'aille me planquer dans un placard. Putain, il y a des cartes partout. Faudrait qu'on me fasse mes pecs. Bon, un pied de biche. Corde de drap. Il me faut un mannequin aussi pour le lit. Fouiller les bureaux. Rien d'intéressant malheureusement, mais on prend ça, ça. Donc, je lui ai fait son lit. Et un deuxième oreiller par contre. Ah merde, il y avait la caméra. J'ai pas vu. Je me rappelle plus. Donc le mannequin et la corde de drap. Et il ne manque plus que la clé. On s'en a. Il nous manque plus que le scotch, la corde et le pied de biche. Et on pourra s'évader. J'ai une efficacité, franchement, qui mérite d'être présentée à cette technique d'évasion. Bonjour, oui, je sors de cette cellule immédiatement, monsieur. Là, vous avez commencé à rien voir, c'est le soir. Alors, on a la corde, on a plus que. En fait, le truc. Ah merde, il en faut deux ou. Ce que je sais, c'est qu'il aussi faut qu'on trouve qui a la clé sciant. Un batouilleur propose encore une rôle. Je pensais à ces forgerons proposés de moi. Mais non, en fait. Non. Et je sais pas pourquoi. Ah oui, il faut qu'on regarde les boulots aussi. Les emplois. Laverie, pas envie. Comme Kairi, c'est le truc avec les plaques d'immatriculation. Vous voyez rien, c'est normal. Agent d'entretien, c'est moi. Menuiserie, peut-être, mais je préférerais la cuisine. J'ai jamais fait la cuisine en fait. Puis juste à côté de la truc, donc on va essayer. PSL Chirine, non, je sais pas qui c'est. Oh! 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 Vous voyez pas? Ok. Oh non, ils m'ont vu, ils m'ont vu, ils m'ont vu. Je suis à terre. On va se déséquiper. Et on fonce dans notre cellule. Bureau. Waouh, vous m'aimez! C'est qui a gagné la fouille de cellule? Putain de merde. C'est moi, je suis dans la merde. Enfin, dans la merde. Batterie faible. Ok, j'ai le truc batterie faible, là où j'ai pas vu. Ça apparaîtra pas sur... apparaîtra pas sur la vidéo. De toute façon, donc on s'en fout. Dodo. Good night. J'ai déjà la fosse. Non, je suis toujours pas dans le conduit. Quoi que, j'ai pas besoin d'aller dans les conduits en fait. Un poster. J'ai peur de faire ça. Il me voit le péter en fait. Il va revenir. C'est combien? 80% pour. Ouais, bon, c'est l'équivalent d'une pioche. C'est avec ça qu'on craft une pioche. Hein. Pour ceux qui savaient pas. Ok, ça fait 20%. Okay. 20% par 20%. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va dire? Bah fin d'épisode. Okay. Il va falloir qu'on pète ce mur, qu'on mette un fake wall. Un faux mur. Lol, le gars s'est envoyé là. J'adore. Donc on mettra un poster, une connerie comme ça. Il nous faudra la clé sciant. Parce qu'en haut, il y a encore une. Il y a encore une. Attendez, est-ce que là-haut.
Je sais plus. Mais en tout cas, il faut la clé violette, ce sera plus rapide. Et après, on aura juste à utiliser le grappin et tout. Et c'est bon, on dégage. Donc, en 5, moins d'une semaine, je pense, on dégage. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.